King Jong-un. Vladimir Poutine. Kim Jong-un. Vladimir Poutine. Petit frère, je te parle comme ton père, comme ton grand frère. Écoute un conseil de d'un adulte. Une femme qui t'aime, ça vaut de l'or. Une femme qui t'aime, c'est une chance. C'est qui une femme qui t'aime C'est une femme qui, demain tu es au chômage, elle va toujours t'aimer et te respecter. Demain tu n'as pas de sous, elle va toujours t'aimer et te respecter. Demain tu perds tes pieds, tu deviens un handicapé. Elle va toujours t'aimer et te respecter. Mais qu'est-ce que nous, les hommes, nous faisons? On abandonne une telle femme parce que tu vois une petite fille avec ses formes ou une jeunette. Tu oublies la femme qui a souffert pour toi. La femme qui t'a aimé quand tu étais rien du tout. Et parce qu'on a la réussite ou parce que ça marche mieux pour toi. Tu oublies la femme qui t'aime, qui t'a donné des preuves d'amour, parce qu'elle t'a aimé quand tu n'étais encore rien. Pour une jolie fille. Des fois qu'il n'est que là pour dessous. Mon petit, écoute-moi un peu. Écoute le conseil d'un sage. Le riz servi dans une assiette rouge. Le riz. Servi dans une assiette bleue, le riz servi dans une grosse assiette blanche, ou le riz servi dans une assiette en or, le même riz a toujours le même goût. Le reste, c'est les yeux, c'est l'impact des yeux, c'est du superficiel. Voyez, toutes les femmes, c'est pareil, mon petit frère. Libère-toi de l'esclavage, voyez, des fantasmes superficiels et irréels. Il y en a qui pensent que parce que tu vois une femme avec des cheveux jusqu'au dos, qu'elle sera mieux que ta femme. Parce que tu penses que tu as vu une femme, je sais pas de quelle couleur, tu as une femme noire, tu as vu une blanche, et, et tu penses que celle-là vaudra plus que. Tout ça, c'est de la stupidité. C'est du fantasme, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Reste fidèle à ta femme, mon petit. Aime ta femme, la femme de ta vie, celle qui t'aime pour ce que tu es et non pour ce que tu as. Celle qui t'aime et qui traversera toutes les épreuves de ta vie. Celle qui a fait tes preuves et qui t'a donné tes beaux enfants. Petit frère, ne gaspille pas ton argent et ton temps pour rien. Petit frère, je te parle comme ton père, comme ton grand frère. Écoute un conseil d'un adulte. Une femme qui t'aime, ça vaut de l'or. Une femme qui t'aime, c'est une chance. C'est qui une femme qui t'aime C'est une femme qui, demain tu es au chômage. Elle va toujours t'aimer et te respecter. Demain tu n'as pas de sous. Elle va toujours t'aimer et te respecter. Demain, tu perds tes pieds, tu deviens un handicapé. Elle va toujours t'aimer et te respecter. Mais qu'est-ce que nous, les hommes, nous faisons On abandonne une telle femme parce que tu vois une petite fille avec ses formes ou une jeunette. Tu oublies la femme qui a souffert pour toi. La femme qui t'a aimé quand tu étais rien du tout. Et parce qu'on a la réussite. Ou parce que ça marche mieux pour toi, tu oublies la femme qui t'aime, qui t'a donné des preuves d'amour, parce qu'elle t'a aimé quand tu n'étais encore rien. Pour une jolie fille. Des fois qu'il n'est que là pour dessous. Mon petit, écoute-moi un peu. Écoute le conseil d'un sage. Le riz servi dans une assiette rouge. Le riz servi dans une assiette bleue. Le riz servi dans une grosse assiette blanche. Ou le riz servi dans une assiette en or. Le même riz a toujours le même goût. Le reste, c'est les yeux. C'est l'impact des yeux. C'est du superficiel. Voyez, toutes les... Bonjour, chers amis téléspectateurs. Moins content aujourd'hui de partager Parole à Bondier avec vous. C'est un grand privilège d'être un téléévangéliste. Voyez, ici il ne s'agit pas d'une télévision qui ne fonctionne que sur Internet. Il ne s'agit pas que de l'Instagram ou de YouTube, mais ici il s'agit d'une télévision officielle. Qui balayent toute la France. La chaîne s'appelle Télé Anti. Donc, nous balayons toute la France. Ceux qui ont Orange peuvent nous écouter jusqu'aux Antilles, jusqu'en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à l'île de la Réunion, jusqu'à la Nouvelle-Calédonie. Dans la chaîne 398. Dans la chaîne 398. Et puis, euh, ceux qui sont en France. Vous pourrez nous suivre sur Free dans la chaîne 932, sur Bouygues dans la, chambre, dans la chaîne 407 à peu près, et sur Orange bien sûr dans la chaîne 398. Saint-Esprit, puisses-tu nous conduire, puisses-tu nous parler ce matin au nom de Jésus. Et, et, et je tenais à te dire, toi, cher ami de le spectateur, peut-être tu étais là en train de zapper, ou bien tu es là par curiosité. Eh, mais je tiens à te dire que avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Le jour où tu comprendras ça, tu comprendras l'essentiel de la vie. Moi, je, euh, je ne crois pas que le hasard existe. Je ne crois pas que le hasard à créer quelque chose. Nous ne sommes pas le produit du hasard. Le hasard n'est pas assez intelligent pour créer un corps humain. Voyez, même les scientifiques, les gens qui ne croient pas en Dieu, quand ils sont devant cette réalité de la création, qui a créé l'univers Qui a créé l'homme avec sa complexité Si vous saviez, ceux qui ont fait la médecine, si vous saviez comment le corps de l'homme est complexe, le corps de l'homme, ta peau, elle est complexe. La peau que vous voyez là, que vous touchez, si vous savez comment elle est organisée, comment elle vit, com comment elle est complexe, comment elle elle vous protège, c'est choquant. Et l'œil humain, l'œil de l'homme, si vous savez comment votre œil fonctionne, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle dans la médecine il y a des spécialistes parce qu'il est pratiquement impossible qu'un seul médecin soit spécialiste de tout le corps humain. C'est tellement profond et complexe qu'il y a des médecins qui s'occupent que de la peau, d'autres qui s'occupent que de la langue, d'autres qui s'occupent que de l'œil parce que ce sont des organes complexes, des systèmes complexes. Donc, euh, personne ne fera croire que le hasard qui n'est pas capable de créer une peinture, le hasard qui n'est pas capable de créer même une fourchette, le hasard qui n'est même pas capable de créer une chaise, qu'il sera capable de créer un être humain comme un homme, avec des complexes, avec un fonctionnement le plus complexe qui existe, un merveille. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, la puissance de Dieu, ses perfections invisibles, se voient au travers de la nature, au travers de sa création, si on le considère dans ses œuvres. La puissance de Dieu, quand moi je regarde cette, ces, ces belles montagnes, quand je vois ces arbres, comment ils sont extraordinairement créés. Comment les feuilles sont symétriques. Euh, la, la symétrie de la nature, la symétrie géographique de la nature. Quand je vois comment l'œil de l'homme est équidistant par rapport au nez. L'œil est là, les deux yeux sont là. Ils ont la même distance à quelques millimètres près du nez. C'est parce qu'il y a un homme qui a. Il y a un être humain qui a créé ça, qui a fait des calculs, qui a ajusté ça. Alors, je ne crois pas au dieu hasard. J'ai toujours dit, les gens qui se disent athées, en réalité, ils sont croyants. Il n'y a pas de non-croyants sur terre. Voilà une affirmation que je peux vous dire. Il n'y a pas de non-croyants sur terre. Nous sommes tous croyants de quelque chose. Nous sommes tous croyants de quelque chose. Il y en a qui croient dans un être, en plusieurs dieux. Il y en a qui croient au démon, il y en a qui croient au Dieu véritable et il y en a qui croient au Dieu hasard. Le Dieu hasard. Il croit qu'il y a un Dieu hasard. J'ai un, un frère, bon, je l'appelle frère par la foi, lui, il croit à un être supérieur mais qu'il ne connaît pas. Il dit, je crois qu'il y a un Dieu, un être supérieur mais il n'accepte pas ni la Bible ni le Coran. Il dit ça, c'est les hommes qui ont écrit ça. Mais moi, je te de donner les raisons pour laquelle je crois que la Bible n'a pas été créée par un homme. La Bible n'est pas, pas le livre d'un homme. C'est vrai, il y a le Coran, il y a plusieurs livres, même les livres de Mormon, que les gens disent, prétendent que c'est descendu du ciel. Que les gens considèrent comme des écritures saintes et sacrées je suis pas là pour les critiquer ou les, dé, les, les dénigrer mais moi j'aimerais euh, vous dire des raisons personnelles pour laquelle Bishop Eli croit à la Bible les raisons pour laquelle je peux vous dire que la Bible est vraiment la parole de Dieu que c'est la vérité Première raison, première raison, il y a les prophéties bibliques, les prophéties bibliques bien aimées. Si vous lisez les livres de Daniel, si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir que la Bible a prédit des événements historiques. Par exemple, l'Europe telle qu'elle est, ça a été prédit dans l'Apocalypse. Depuis le premier siècle, vous pouvez aller voir l'Apocalypse et se prouver que l'Apocalypse, ce livre, date depuis le premier siècle. Et l'Apocalypse parle de l'Europe. Le livre de Daniel, plus de 400 ans avant, je crois, ou 500 ans avant, avait parlé de l'Europe, qui est symbolisée dans la vision de Daniel par les, les cinq, les dix doigts de pied de la stature de Nabuchodonosor. Un jour, on va développer ça. Donc, il y a des faits historiques qui prouvent que la Bible c'est pas des histoires. La Bible a prédit des événements historiques. Il a prédit la naissance de l'Empire romain, il a prédit sa renaissance, il a prédit l'Empire grec, il a prédit l'Empire perse, il a prédit l'Empire babylonien. Les quatre grands empires qui ont affecté l'histoire du peuple juif, peuple élu de Dieu, ces quatre grands empires ont été prédits dans la Bible, dans le livre de Daniel, avec une telle précision que même les historiens athées commençaient à douter même de la datation du livre de Daniel. C'est tellement précis qu'ils ont pensé que... Le livre de Daniel a été écrit après l'existence de ces empires. Et puis pire, quand vous faites des calculs avec le livre de Daniel, des calculs mathématiques bien sûr, de 70 semaines de Daniel, de des, 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 des la date où ces calculs ont démarré, c'est incroyable de constater que la naissance du Christ, son enlèvement, sa mort et sa résurrection a été prédit avec exactitude. C'est incroyable, c'est choquant. Quand vous lisez le livre de Daniel et vous tenez compte des calculs, des prédictions, parce que Daniel a donné même des prédictions, 70 semaines, dont chaque jour est considéré comme une année. Et quand on calcule avec précision, Bien-aimé, moi-même j'ai fait les calculs, j'étais impressionné de voir que Daniel avait déjà prophétisé avec exactitude l'année où le Messie serait enlevé de la terre. Donc, l'une de pre des premières raisons pour laquelle je crois que la Bible est l'absolue vérité, c'est parce que ce qu'elle dit, ce qu'elle a prédit, c'est réalisé. La deuxième raison pour laquelle je crois que la Bible est l'absolue vérité, c'est les signes et les prodiges. Jésus a dit voici les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils se reposeront les mains aux malades les malades seront guéris à mon nom, ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues. De tous les prophètes, de tous les êtres humains, tous les théologiens, les penseurs, les philosophes qui ont marché sur terre, aucun être humain a donné un tel signe, à part Jésus. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Quel que soit le temps, quel que soit l'espace, qu'il soit chinois, qu'il soit coréen, qu'il soit africain, qu'il soit antillais, celui qui croira à mon nom fera les mêmes œuvres que je fais et il en fera de plus. Une telle affirmation, aucun prophète l'a fait, ni Mahomet ni Bouddha, ni aucun être humain a donné un signe, illimité géographiquement et dans le temps, pour prouver la véracité de son message. Voilà pourquoi je crois que la Bible est vraie. Parce qu'aujourd'hui, je, je chasse les démons. Comme Jésus l'a dit, je prie pour des malades, je vois des malades guéris. Aux Antilles, on a vu des miracles extraordinaires. Je les ai vus s'accomplir. Et voilà pourquoi je crois que la parole de Dieu est vraie. Et la troisième raison, c'est la présence du Saint-Esprit en moi. L'Esprit me convainc. L'esprit témoigne à moi que je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit me parle, il me guide. Et certaines choses qu'il me dit, je le vérifie, ils sont vrais. Certaines choses qu'il me révèle sur la vie des gens, je le vérifie, c'est exact. Voilà pourquoi Bishop Elie, je peux dire, devant un bouddhiste, devant un mormon, devant un témoin de Jéhovah, devant un musulman, même devant un faux athée les croyants du hasard, je peux leur dire, la Bible est la vérité. Parce que ces trois éléments sont trois, trois preuves indiscutables et puissantes qui nous montrent que la parole de Dieu est la vérité, d'une manière indiscutable. Et quand vous lisez le Coran, par exemple, le Coran parle plus de Jésus que de n'importe quel prophète. Quand vous lisez le Coran, le Coran parle plus de Jésus que de n'importe quel prophète. Et j'ai des témoignages même des imams qui se sont convertis. Un iman s'est converti en lisant le Coran. Il a dit la première chose qu'il a interpellée, il a constaté que le Coran parle plus de Jésus que de n'importe quel prophète. La seule femme dont parle le Coran, qui cite le Coran, c'est Myriam, la mère de Jésus. Et le Coran reconnaît que Jésus est né sans l'intervention d'un être masculin. Que Jésus est né d'une femme vierge. Le Coran le reconnaît. Et le Coran reconnaît que Jésus n'a pas commis de péché. C'est-à-dire que de tous les êtres humains qui ont vécu sur terre, Jésus-Christ est le seul qui n'a jamais commis un péché. Le Coran affirme, comme l'évangile de Jean le dit, que Jésus-Christ est le verbe de Dieu. Le Coran n'a jamais dit que le prophète Mahomet est le verbe de Dieu. Le Coran n'a jamais dit que Moïse est le verbe de Dieu. Tout bon musulman va te le dire. Que Bishop lui dit la vérité. Le Coran n'a jamais dit qu'un tel est le verbe de Dieu. Mais le Coran dit à propos de Jésus, Jésus-Christ est le verbe de Dieu. Que Dieu a mis dans le ventre de Marie. Aucun être humain dans la Bible n'est considéré comme le verbe de Dieu. Le mot verbe veut dire expression de Dieu. Et encore une deuxième chose, pour ceux qui sont musulmans, le Coran prédit que avant le dernier jugement, c'est Jésus-Christ qui reviendra sur terre. Pour le dernier jugement, le Coran dit que c'est Jésus-Christ qui reviendra sur terre. Alors, ce n'est pas n'importe quel prophète Jésus. Il est Dieu manifesté en chair. Un jour, je discutais avec un musulman. Et je lui ai posé la question, dis-moi, qu'est-ce qui est impossible à Dieu Il m'a dit, Bishop Eli, Amen. Non, il m'a dit, Bishop Eli, rien n'était possible à Dieu. Je dis, mais dis-moi encore, qu'est-ce que Dieu... Ne... Il m'a dit, Dieu est capable de tout faire. Je dis alors, qu'est-ce qui t'étonne que Dieu ait créé un corps humain dans lequel son esprit est entré pour parler aux hommes Dieu est capable de tout. Et là, il s'est tué. Il a commencé à réfléchir. Parce que vous savez, il y a des passages dans la Bible où Jésus-Christ parle en tant qu'homme. Il y a des passages où il parle étant que prophète. Et il y a des passages où il parle étant que Dieu. Et tant que Dieu, il demande à sa, à sa mère Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi Et tant que Dieu, il dit aux Juifs Avant que Abraham soit, je suis. Vous voyez Donc, Christ a plusieurs aspects. Et quand on l'appelle le Fils de Dieu, il ne faut pas le comprendre littéralement que Dieu a eu une femme pour avoir un enfant. Quand on dit que Jésus-Christ est le fils de Dieu, ça veut dire simplement que Jésus-Christ est la manifestation de Dieu en forme de fils. Et quand vous allez lire la Bible, vous allez voir même que dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel n'était rien d'autre que l'Éternel lui-même qui parlait. Il a dit à Abraham, l'année prochaine, je reviendrai vers toi et ta femme Sarah aura un fils. Il a dit à Abraham, l'année prochaine, moi, je reviendrai vers toi. Mais au travers de Jésus-Christ, il était né sur terre. Mais on voit bien dans l'Ancien Testament, plusieurs fois que Dieu s'est incarné en chair, s'est manifesté ponctuellement en chair. Abraham a vu trois anges lui apparaître. Il a même mangé avec eux. Et l'un d'eux était l'Éternel. Vous comprenez ce que je vais vous dire Donc, euh, bon, on ne va pas rentrer complètement dans ça pour ne pas se perdre. Mais je voudrais un peu vous parler aujourd'hui de l'importance du Saint-Esprit. Et nous échouons. Lamentablement, étant que chrétien, parce que nous essayons de, de devenir bons par nos efforts. Nous essayons de changer par nous-mêmes. Et croyez-moi, c'est compliqué de changer par soi-même. C'est très compliqué. Et, et, et si pas, c'est pratiquement impossible. C'est pour cela, parfois, vous allez dans les églises, vous voyez des gens qui ne changent jamais. Des fois, vous allez dans une église, vous rencontrez un pasteur, vous vous dites Mais moi, cela m'est arrivé de rencontrer des gens. Le monsieur s'est dit pasteur, mais, mais le gars n'a rien de bon en lui. Il est méchant, il est arrogant, il est agressif, il est hypocrite, il est vicieux. Je vous le dirai, et, et j'ai vu des païens encore plus propres, plus corrects que certaines personnes religieuses que nous, a, nous considérons à tort comme pasteurs. N'est pas pasteur qui se prétend être pasteur. Parce qu'il y en a qui sont serviteurs de Dieu de la part des hommes, et il y en a qui sont serviteurs de Dieu de la part de Dieu lui-même. C'est qui le sont de la part des hommes, ils ont été nominés par des hommes, ils ont suivi un, un processus euh, intellectuel. Après trois ans d'études en théologie, on réussit, on a un diplôme et on se dit pasteur. Mais c'est l'intelligence qui a été formée. Tu es intellectuellement, tu as la connaissance intellectuelle qu'un pasteur est censé avoir. Mais Dieu, lui, quand il forme un serviteur, il ne forme pas que la tête, il forme aussi les caractères. Et voilà pourquoi nous avons des gens qui sont intelligents, qui connaissent la Bible et qui savent parler de la Bible, mais qui n'ont pas le caractère de Dieu. Parce qu'ils ont été formés intellectuellement par des hommes, dans des cours de théologie, dans des universités théologiques. Mais ils n'ont pas été formés par Dieu parce que quand Dieu vous forme, quand Dieu vous parle, vous appelle à le servir, il commence à former votre caractère depuis le ventre de votre maman. Quand Dieu vous appelle réellement à le servir, il vous choisit, il commence à vous enseigner, à vous former depuis le ventre de votre maman. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie Quand tu étais une masse informe dans le ventre de ta maman, je te connaissais déjà. C'est extraordinaire. Un être humain ne peut pas former un serviteur de Dieu. Alors voilà pourquoi tout ce que nous, nous essayons de former nous-mêmes par la théologie, par nos écoles bibliques, échoue tout le temps. Alors, j'aimerais vous expliquer une chose. Humainement, c'est impossible. Humainement, c'est impossible d'être un bon chrétien. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ dit dans l'évangile de Jean, sans moi, vous ne pouvez rien. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jésus Christ c'est dit aux disciples, sans moi, vous ne pouvez rien. Vous pouvez avoir la bonne volonté, bien sûr. Vous pouvez avoir la bonne volonté. Mais j'aimerais vous dire, sans Jésus, sans le Saint-Esprit, vous n'arriverez pas. Et vous voyez, écoutez, voici quelque chose qui est vraiment très difficile. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent entre nous. Est-ce que humainement c'est possible C'est quelque chose qui est presque contre nature. Comment aimer quelqu'un qui te maltraite Comment arriver à aimer quelqu'un qui te persécute, qui parle mal de toi, qui te combat humainement entre nous, soyons sérieux, humainement, c'est impossible que quelqu'un avec son cœur charnel puisse aimer quelqu'un qui l'insulte. Vous voyez, c'est impossible d'arriver à ce niveau-là. Mais on peut y arriver par la grâce du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut déverser l'amour dans ton cœur. Vous voyez, ce matin, je parlais avec ma fille Mathilde. Elle m'a dit, Bishop Eli, je parlais en langue, je parlais en langue, je parlais en langue beaucoup avec, euh, avec Stacy. Nous avions prié beaucoup en langue et un moment donné, et, et je sentais l'amour dans mon cœur pour le monde entier. Elle est là. Elle dit, je sentais l'amour pour tout le monde, je commençais à sentir l'amour pour les prisonniers, pour les malades, je commençais à prier pour tout le monde. J'ai dit, mais c'est normal. Car ça, c'est ce que Dieu est. C'est ça l'amour divin. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Donc quand vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, vous allez aimer tout le monde. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Quand vous avez l'Esprit de celui qui a tant aimé le monde, vous allez ressentir l'amour pour le monde. Dieu aime tellement les gens qu'il fait pleuvoir sur le champ, dans le champ du, mé du méchant. Comme dans les champs de bon. Un méchant peut faire une plantation. Quand il pleut, la pluie tombe sur tous les champs. Les champs du méchant comme les champs du bon. Il y a des transformations qui ne sont possibles qu'avec l'Esprit de Dieu. Et l'erreur que nous faisons, nous voulons faire par nous-mêmes. Ce n'est ni par la force eh, ni par la puissance, c'est par le Saint-Esprit. D'ailleurs, l'apôtre Jean va dire, ces commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est une phrase, si on ne la décortique pas, elle va rester que religieuse. Mais j'aimerais conjuguer eh, eh, ce verset, l'interpréter dans le contexte de cet enseignement. Ces commandements ne sont pas pénibles car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Autrement dit, ces commandements, son style de vie, le style de vie que Dieu exi nous exige, les standings de vie que Dieu nous exige, ce n'est pas pénible à, à les vivre, à les observer. Si réellement notre vie spirituelle vient du Saint-Esprit, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Celui qui est né de Dieu, c'est-à-dire que quand on accepte Jésus-Christ, on, on devient une nouvelle créature née de Dieu. Celui qui est en moi est une nouvelle créature. Jésus a dit à Nicodème, un homme ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. C'est-à-dire que lorsque vous acceptez Jésus-Christ, votre moi meurt. La chair et ses œuvres sont crucifiées et votre esprit est récréé. Vous devenez une nouvelle créature. Celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Et la nouvelle créature est conduite par le Saint-Esprit. Alors si vous laissez le Saint-Esprit vous conduire, vous allez triompher du monde. Vous allez triompher de la haine qu'il y a dans ce monde. Vous allez triompher de la convoitise du monde. Vous allez, vous allez triompher de la méchanceté. Vous allez, vous, allez triompher, vous, allez, vous, vous allez triompher du monde. Triompher du monde veut dire avoir le dessus sur tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais pourquoi aujourd'hui, vous voyez le monde entrer dans les églises pourquoi aujourd'hui vous voyez des pasteurs qui ne sont pas différents des païens Moi, je connais des pasteurs pires que des païens. Comme j'ai dit hier, comment tu peux être un homme de Dieu Tu vas sortir avec la femme de ton prochain. Pour moi, c'est inacceptable. La Bible dit que tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Comment tu peux être un homme de Dieu il y a des femmes libres là, mais tu vas prendre la femme de ton prochain. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas une transformation. La personne a accepté Jésus, il est devenu religieux, mais il n'a pas laissé le Saint-Esprit les transformer. Alors, voilà pourquoi le Seigneur veut que aujourd'hui, vous compreniez l'importance du Saint-Esprit. Croyez-moi, ce n'est pas pénible de vivre une vie chrétienne épanouie. Ce n'est pas compliqué. Ces commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce n'est pas compliqué. C'est possible de vivre dans l'amour. C'est possible de vivre dans le pardon. C'est possible de vivre une vie de couple merveilleuse. C'est possible de vivre sans rivalité. C'est possible de vivre loin du péché. C'est possible de vivre en bonne santé. C'est possible que tout ce que tu fais réussisse, comme Dieu l'a dit, tout ce qu'il fait réussisse, c'est possible. C'est possible simplement si nous laissons le Tout-Puissant, le Saint-Esprit, gérer notre vie. Vous voyez, euh, euh, Google et d'autres grandes entreprises, ils sont en train d'essayer de, de créer une voiture sans chauffeur. Euh, je pense qu'il y a des villes où il y a cette voiture, une voiture sans chauffeur. Et ils essayent de de créer un robot qui va conduire la voiture. Et apparemment, ce robot serait meilleur que les meilleurs chauffeurs humains. Ce robot serait meilleur. C'est-à-dire, ce robot a des capteurs. Quand un obstacle est à, à, par exemple, à 3 mètres, il est informé, il évite. Quand un obstacle vient vers lui à 3 mètres, il est informé et il évite. Voyez, alors si, mais il y a aussi la possibilité que la personne qui conduit ces robots, en cas de problème, qu'il puisse reprendre la main contrôler la voiture et obliger le robot de ne plus contrôler la voiture. Il y a une situation ingérable humainement. Mais dites-vous que le robot quand il conduit une telle voiture comme il est presque parfait, il ne peut pas avoir d'accident. Il ne peut pas avoir d'accident parce qu'il a été programmé pour cela. Si y a accident, c'est que c'est le chauffeur qui a refusé d'écouter le robot, qui a repris la main de la voiture. J'aimerais vous donner un deuxième exemple. Euh, le GPS. Il y a des GPS là. Et quand vous allez dans un endroit, vous mettez le GPS. Et vous laissez le GPS vous guider. Croyez-moi, quand vous obéissez au GPS, vous n'allez jamais vous perdre. Vous n'allez jamais vous perdre. Moi, euh, un jour, avant de prendre l'avion, j'étais avec Jennifer dans ma voiture. Non, dans sa voiture plutôt. Elle conduisait. Non, c'est moi qui conduisais. Je me rappelle plus. <laughs> je sais pas que. Non, elle me suivait. Elle me suivait. Moi, je conduisais. Et j'ai mis l'adresse du photographe dans mon portable. Et je suis fait le GPS. Et le GPS m'a indiqué les chemins des grands fonds. Des chemins que je ne connais pas. Des chemins des grands fonds dans les montagnes, dans des crevasses, dans la campagne guadeloupéenne. Des chemins compliqués. Je peux vous dire, je ne savais plus où était le nord ou le sud. Mais je n'ai fait qu'obéir et suivre le GPS à la lettre. On est arrivé exactement à un mètre près de l'adresse indiquée. Et bien sûr, il y en a qui se perdent. Et pourquoi se perdent-ils en route parce qu'ils obéissent pas au GPS ou pas ou parce qu'ils comprennent mal les instructions du GPS. C'est un peu ça. Le Saint-Esprit est comme notre GPS. Si vous laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, si vous laissez le Saint-Esprit conduire votre vie, si vous laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle de votre existence. Que cela soit votre vie sentimentale. Que cela soit la gérance de tes biens, de tes finances, que cela soit votre vie professionnelle, que cela soit votre vie spirituelle, ecclésiastique, si vous laissez le Saint-Esprit conduire votre vie totalement et vous l'obéissez, tout ce que vous allez faire va réussir. Tout ce que vous allez faire va réussir. Vous allez dire comme David l'éternel est mon berger, c'est-à-dire le Saint-Esprit est, est mon GPS, le Saint-Esprit est le guide de ma vie. Et bien sûr, il me conduira dans la prospérité, vers de verts pâturages il me fera reposer il me conduira vers des eaux paisibles. Oh, il restaure mon âme. Oh, je n'ai. Oh, le bonheur, conclusion, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Aucun malheur ne m'attendra. Aucun fléau ne s'approchera de ma tente. Je serai rassasié de longs jours. Je verrai les fils de mes fils. C'est possible. je voulais simplement le dire à chacun de vous c'est possible mais malheureusement nous avons le saint-esprit mais nous obéissons pas au saint-esprit des chrétiens déménagent sans consulter le saint-esprit des chrétiens se marient sans consulter le saint-esprit des chrétiens changent de travail sans consulter le saint-esprit les chrétiens voyagent ils ont consulté le Saint-Esprit. Ils ont réduit le Saint-Esprit seulement à la chasse aux démons. Le Saint-Esprit est comme un chien de chasse pour eux, vous voyez Le chien de chasse il ne sert qu'à chasser le gibier et pour eux le Saint-Esprit, il est là que pour chasser les démons. Quand ils ont besoin de chasser les démons, alors là le Saint-Esprit est là. C'est triste. Apprenez à dire Saint-Esprit. Aide-moi à aimer telle personne. C'est difficile. Je veux besoin de toi. Apprenez à dire Saint-Esprit. Aide-moi à pardonner un tel. Je n'arrive pas. Mon cœur est lourd. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à pardonner. Ils n'arrivent pas à pardonner et ils préfèrent quitter l'Église. Se mettre en retrait. J'en connais des chrétiens personnellement qui se mettent en retrait parce que leur cœur est rempli tellement d'amertume qu'ils n'arrivent pas à pardonner, ils ne sont plus à l'aise dans l'Église, alors la solution qu'ils trouvent, c'est de se retirer. Mais c'est parce qu'ils sont charnels, ils ne cèdent pas au Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous aider. Parle franchement à l'Esprit. Dit, Saint-Esprit, je n'arrive pas à pardonner telle personne. Aide-moi. Saint-Esprit, je ne supporte pas la tête de telle personne. Aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi à aimer. Aide-moi. Demandez et vous recevrez. Est-ce que cela n'est pas écrit dans ta Bible? Demandez et vous recevrez. Sauf, toi tu demandes de tout sauf ce qui est primordial. Tu demandes le mariage, tu demandes la guérison, tu demandes l'argent, tu demandes le succès, tu demandes la puissance. Vous voyez, surtout nous, les serviteurs, nous aimons avoir la puissance. Nous demandons tout sauf ce qui est l'essentiel. Saint-Esprit, aide-moi à aimer. Ça, c'est formidable. Celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Alors faites de l'amour votre priorité. Saint-Esprit, aide-moi à aimer. Saint-Esprit, aide-moi à pardonner. Saint-Esprit, aide-moi à oublier. Saint-Esprit, aide-moi à aider. Saint-Esprit, aide-moi à prier. Saint-Esprit, aide-moi. Demandez -vous et vous recevrez. Et quand vous réagissez comme ça, le Saint-Esprit va vous aider. Moi hier, j'étais un peu en difficulté chez moi. Ici, là, j'étais en difficulté. Je ne rentrerai pas en détail. Je ne rentrerai pas en détail. Mais hier, j'étais dans une situation compliquée. J'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. J'ai dit, Saint-Esprit, c'est compliqué pour moi, aide-moi. Je parlais ouvertement au Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, c'est compliqué, aide-moi. Et il m'a aidé. Il m'a aidé. Je me suis débrouillé bien. Je me suis en sorti d'une situation compliquée. Très bien. C'était merveilleux. Voyez. Ah, pasteur, je n'arrive pas. Oui, tu n'arrives pas. Demande au Saint-Esprit de t'aider. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire dans Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul va dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Pourquoi pouvait-il dire ça Parce que quand... Le Saint-Esprit prend le contrôle. Les choses se passent bien. Oui, c'est possible. Mais le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit ne s'improvise pas. Moi, ça m'arrive des fois. J'appelle quelqu'un, étant qu'apôtre ou son père spirituel, j'appelle quelqu'un pour le conseiller l'enseigner parfois et tu appelles la personne et la personne pardonnez-moi stupide monopolise la parole c'est toi qui l'appelles hein? c'est toi qui l'appelles lui t'appelle jamais tu l'appelles pour l'enseigner l'expliquer quelque chose mais la personne sans savoir pourquoi tu l'as appelé et la personne est tellement bornée et stupide qu'il monopolise la parole, il commence à parler, il ne à... sait même pas pourquoi tu l'as appelé. Bon, et toi, tu es là, tu es désolé. Je voulais tellement l'expliquer des choses. Mais ta personne ne te laisse même pas le temps de placer un mot. C'est un peu ça aussi. Le Saint-Esprit est tellement poli que lorsqu'il vient dans ta vie, si tu ne l'écoutes pas, il ne va pas s'imposer. Si tu ne veux pas l'écouter, il va pas s'imposer. Il n'est pas un dictateur. Si tu ne donnes pas le temps de te parler, il te parlera pas non plus. Et c'est la raison pour laquelle Samuel, le, le, le prophète et le sacrificateur Élie, a dit au jeune Samuel si tu attends encore la voix de parler, dis-lui, parle, ton serviteur, écoute. Parce que le Saint-Esprit parle seulement quand on dit on ouvre son oreille et on ferme sa bouche. Mais malheureusement, nous ne donnons pas au Saint-Esprit le temps de nous parler. Nous parlons trop. La Bible dit que Dieu nous donne l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation. Le Saint-Esprit, il est appelé esprit de force. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de révélation. Mais comment peut-on être rempli d'esprit de sagesse et être insensé et stupide, comme on le constate dans la vie de certains chrétiens Esprit de force. Mais comment est-ce qu'on peut être rempli de l'esprit de force comme Samson et être faiblard, être faible et fainéant et paresseux David a eu l'esprit de force vaillant. Il a fait des exploits et il a écrit Avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce qu'il est, est un esprit de force, esprit d'intelligence. Mais je vous dis franchement, quand vous voyez comment, pardonnez-moi les mots, les mots est un peu durs, mais c'est la vérité. Le mot stupide n'est pas une insulte c'est écrit dans la Bible l'insensé ou les stupides. vous voyez combien de chrétiens sont stupides aujourd'hui, manque d'intelligence dans leur comportement, ils ne savent pas éduquer leurs enfants, ils ne savent pas gérer l'argent, ils ne savent pas comment. Quand vous voyez le comportement de certains chrétiens, vous dites, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit fait là Est-ce que ce gars-là vraiment a reçu le Saint-Esprit même des serviteurs de Dieu, quand tu le vois se comporter, tu te dis mais cet homme-là manque de sagesse. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit fait là C'est parce que nous n'écoutons pas le Saint-Esprit. Nous n'écoutons pas le Saint-Esprit. Nous écoutons tout le monde sauf le Saint-Esprit. Nous avons le temps pour tout sauf pour le Saint-Esprit. Et pourquoi Parce que nous sommes pressés ou prétentieux. Quand tu dis Seigneur, je connais, il ne dit plus rien. Moi, j'ai assisté à la première délivrance. J'avais 8 ans. Maintenant, j'ai 55 ans. Mais je constate qu'en Guadeloupe, il y a des gens que j'ai gagné la personne dans un an. Il vient me dire, Bishop Eli, on ne fait pas la délivrance comme ça. Des fois, je m'assois, je regarde, hein, je dis Waouh Pourquoi certains chrétiens sont prétentieux comme ça Comment ben, J'ai vu des gens prétentieux, mais dans le milieu évangélique, c'est incroyable comment les gens sont prétentieux. Tu vas aller enseigner à quelqu'un. Moi, à l'âge de 8 ans, j'ai rencontré Dieu par une délivrance. Et j'ai fait toutes sortes de délivrances, j'ai vu toutes sortes de délivrances, j'ai vécu des choses. Et à 5 ans, cinq ans, après plus de 47 ans de, de vie dans la puissance de Dieu, tu vois un chrétien qui a à peine un an ou deux ans dans de l'évangile, qui vient t'expliquer, Bishop Eli, on ne fait pas ça comme ça. Ce que nous tue, c'est l'orgueil, la prétention. Soyez humble. Il y a des pasteurs que tu as formés, tu l'as appris à prier. Des pasteurs que j'ai formés, je l'ai appris à prier. Mais qui te montrent en face que tu n'as plus rien à leur apprendre. Ils connaissent. Ah, j'ai vu Jésus. Oh, je parle avec Jésus. Oh, j'étais au septième ciel. Ah, j'ai vu des anges. Un ange m'a parlé. Ah, ouais, j'ai fait ceci. J'ai vu. Parce que tu as vu Jésus, ou tu as entendu la voix d'un ange, ou parce que tu as rencontré un ange qui t'a expliqué, donc tu es devenu supérieur à tout le monde, et tu n'as même plus besoin qu'on t'explique quoi que ce soit, parce que direct du ciel. Il y aura parlé avec Bon Dieu en direct du ciel. Bon Dieu, c'est copain en haut. L'apôtre Paul a vu Jésus, il a parlé avec Jésus, il n'a pas été formé dans une école théologique comme nous autres. N'a pas été enseigné par un homme comme nous autres. Il dit l'évangile que je vous donne, je l'ai reçu de Jésus-Christ lui-même. Mais dans l'humilité, il est allé consulter Pierre, Jean et Jacques. Il dit ceux qui ont connu le Seigneur avant moi, pour vérifier si ce que je prêche est conforme. Mais pourquoi nous sommes compliqués, bon Dieu Pourquoi nous sommes prétentieux Hein parce que toi, tu es en direct en contact avec Jésus. Ton pasteur ne connaît plus rien. Tu n'as plus besoin de vérifier quoi que ce soit. Parce que est-ce que tu es sûr que l'esprit que tu as vu, c'est Jésus On ne t'a pas dit que Satan aussi se déguise en ange de lumière. Si tu as vu vraiment Jésus, Jésus mettra en toi les sentiments qui étaient en lui, l'humilité. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et qui traite avec Jésus, quelqu'un qui est vraiment rempli du Saint-Esprit, qui voit Jésus tous les soirs, ou bien qui voit les anges, qui est tout le temps en communion avec Dieu, on le constate par les, les sentiments qu'il a. Il aura les sentiments de l'humilité, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, il va respecter les autres, il va écouter les autres. Mais, mais, nous les êtres humains, que Dieu nous fasse grâce. Voilà un peu un enseignement que j'aime bien. Je me, sens, je me sens béni, je me sens, je sens l'onction. Je vois cet enseignement, je vais la préparer bien pour le, le partager sur YouTube. Je sens que c'est un message pour tous les chrétiens, tous les pasteurs, pour l'Église d'aujourd'hui. Nous avons besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Sans le Saint-Esprit, nous ne réussirons jamais. Sans lui, nous ne pouvons rien humilions-nous, soyons comme des petits enfants, car le royaume des cieux appartient aux petits enfants. Et ce qui distingue le plus les petits enfants des adultes, c'est l'humilité. Soyez humble. Dis-toi, je, je besoin des autres, j'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de mon pasteur. Même si je connais mieux que lui aujourd'hui, même si le diable te dit que tu es au-dessus de lui, même si tu reçois des fausses prophéties, que tu as plus d'onction que lui, reste humble, sois pas ingrat. Seigneur, tu as donné ta vie pour moi, mais je te donne aussi ma vie pour te servir. Tout est vanité, des vanités sans Jésus. Le plaisir de ce monde est décevant. Tourne-toi vers l'Éternel, il est le bon berger qui a donné sa vie.

malgré les attaques, nous le par la foi. Sera parce qu'il est fidèle à sa parole. Il a promis. Regarde, Bosco, constance, mon ami. Lève tes mains, adore Dieu malgré l'adversité, malgré les vents contraires. Par la foi, adore ce Dieu et tu vivras sa gloire. Alléluia. Il est le Dieu fidèle. Il est celui qui t'aime. Oh, oh, oh.

Le 24 juillet, et l'agneau de Dieu va te délivrer. Il n'est jamais trop tard, rien n'est jamais perdu dans mon foi en Dieu Je you my brother